Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Meetup numéro 73. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Tu vas nous parler d'un sujet dont on parle peu chez Elastic et pourtant qui existe. Et moi, c'est un des sujets qui m'avait fait aussi tomber amoureux d'Elasticsearch il y a plus de 10 ans. C'était la percolation à l'époque. Ça commençait à arriver, ce truc-là. Et donc voilà, c'est sympa de faire un sujet là-dessus. Donc Pierre va nous parler de ça tout à l'heure. Avant tout, je vais vous faire un petit update sur ce qui s'est passé chez Elastic depuis le dernier meet-up, comme d'habitude. La première chose que je dois vous dire, c'est que donc on a fait deux nouvelles releases. Alors la release de la 7.17.1 qui a été publiée fin février, mais surtout la release de la version 8.10 qui est déjà là et qui apporte quelques optimisations fondamentales, et je vais vous en parler juste après vous avoir montré une petite vidéo. Donc voilà pas mal d'améliorations. Alors je vous parlais de quelques optimisations fondamentales qu'il y a, notamment en termes d'espace. Vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, okay, assez ludique, hein, j'aime bien le Space Invader, c'est assez rigolo comme approche. C'est pas un jeu quand même, hein, mais c'est voilà. Bref, donc sur l'espace disque utilisé, on a introduit un nouveau type de champ qui s'appelle Doc Value Only. Donc ça désactive les structures inversées comme l'index inversé qui est utilisé classiquement pour le search. Et tout ce qui est point, donc les arbres BKD. Alors, il y a un trade-off, évidemment, à chaque fois qu'on prend une décision, il y a un trade-off, et il se paye au niveau de la recherche. C'est du coup beaucoup moins rapide qu'une recherche avec un index inversé ou des structures de points dans des arbres. Mais si vous avez des champs qui sont très rarement requêtés, ou voire jamais requêtés, qui sont juste utilisés pour des traits et des agrégations, bah, activez du coup ce type-là, et vous allez gagner jusqu'à 20%, c'est ce qui a été calculé, à la fois en vitesse d'indexation, parce qu'il y a moins de choses à indexer, du coup, et aussi en densité. Enfin, vous allez gagner 20% d'espace 10 par rapport à ce que vous utilisez jusqu'à présent. Donc, ça peut vous économiser votre facture. Pour savoir quels champs sont concernés, vous pouvez utiliser les API qui s'appellent Field Usage et Disk Usage pour voir exactement, justement, quels sont les champs dont vous ne vous servez pas, ou peu, et là où vous pourriez, du coup, gagner un petit peu sur votre dataset. Arrivée dans la version qui est là, qui est l'arrivée des tiles de forme hexagonale au lieu de forme rectangulaire. En haut, vous avez la version rectangulaire, en bas, vous avez la version avec les formes hexagonales. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus fin, et c'est basé sur la contribution qui a été faite par Uber, qui se sert notamment de ces formes hexagonales pour faire des recherches de drivers autour de vous. Donc, ils font ça avec des polygones. Voilà. Donc, tout ça a été apporté sur le projet Elasticsearch. J'avais parlé précédemment de trois nouvelles visualisations disponibles. Bah, ça y est, dans la version 8.1, elles sont disponibles dans Kibana Lens. Donc, là, à gauche, vous voyez la jauge. Ensuite, au milieu, vous voyez la waffle, la gaufre. Et enfin, celui de droite, c'est une mosaïque. Voilà, c'est l'aspect mosaïque. Donc, trois nouvelles visualisations.
Aussi, une possibilité maintenant qui a été apportée, c'est sur un graphe donné, la possibilité de visualiser sur le même champ le même graphique, deux champs, faire des agrégations donc sur deux champs. Là, c'est ce que vous voyez, on fait un drag and drop du deuxième champ et on va voir sur le même graphique les données qui viennent d'un des champs et les données qui viennent de l'autre champ. Donc, assez sympa. Painless, simplification d'écriture. En haut, vous voyez, avant, ce qu'on devait écrire pour récupérer la valeur d'un champ, et puis si jamais le champ n'existait pas ou si son contenu était nul, attribuer une valeur par défaut, ben voilà, maintenant les scripts vont être beaucoup plus faciles à écrire parce que vous avez simplement cette notation, là, $, nom du champ, valeur par défaut si le champ n'est pas trouvé, et derrière on fait tout ce que vous voyez au-dessus. Ça va faire des scripts un peu plus lisibles. Enfin, dans une future version à venir, la possibilité de passer du Time Series Visual Builder à Lens et vice versa. Donc Time Series Visual Builder, c'est quelque chose qui a été apporté il y a très longtemps justement pour faire des Time Series. Lens est en train de rattraper tout le retard et d'intégrer toutes les agrégations, toutes les possibilités qu'on avait jusqu'à présent en Time Series Visual Builder. Bah, maintenant, l'objectif final, ça va être de passer tout sur Lens. Et donc, il y a un outil qui va vous permettre de migrer finalement facilement, de prendre ce que vous avez dans Time Series Visual Builder et voir si dans Lens, vous pouvez l'appliquer. Voilà, on cherche toujours des speakers pour nos prochains talks. La prochaine session, ce sera le 31 mars avec mon collègue Michael Morello qui nous parlera de l'auto-scaling des déploiements Kubernetes avec les métriques élastiques qui seront collectées sur la stack élastique et autres. Et là, pour l'instant, nous accueillons Pierre. Pierre qui va nous parler donc de percolation Wattels. Voilà, bonne chance, Pierre. Merci. Bonsoir à tous. Du coup, l'utilisation du percolateur au sein de Neoneuf. Je vais très rapidement me présenter, parler de la société, parler du produit au sein duquel on utilise les capacités élastiques en termes de percolation. Donc très rapidement, je m'appelle Pierre Mallet, je suis développeur au sein de Neoneuf. J'ai démarré sur Elasticsearch en version 2.4. Voilà. Et Neoneuf, donc ma société, est une société de services. On existe depuis une dizaine d'années. Bientôt une dizaine d'années. On a environ 80 collaborateurs répartis entre Lyon, Paris, Madrid. Et notre cœur de métier, c'est le e-business. Donc une grosse partie de e-commerce et puis ensuite, on va dire plus business sur tout ce qui porte sur les assurances ou autres. Et on a deux pôles d'expertise qui nous différencient un petit peu. C'est sur la partie OMS, traitement des commandes, et sur la partie PCM, enfin gestion des catalogues à forte volumétrie la majorité du temps. Donc moi, je fais partie de l'équipe, justement de cette équipe catalogue PCM. Et pour vous donner du contexte, on a créé un accélérateur, parce que on en avait marre de refaire toujours un petit peu la même chose. Et donc, on a créé un outil qu'on appelle le catalogue parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé le meilleur nom. Voilà. Mais on est parti du constat qu'à chaque fois qu'on devait faire une plateforme e-commerce, on devait d'une part intégrer un PIM pour la gestion du catalogue, des produits. Et ensuite, il fallait bien exposer ce PIM. Donc, il fallait brancher, on va dire tout simplement, une sortie. Donc, ou bien utiliser une solution du marché, Algolia, Pertim, ce genre de choses, ou parfois même faire un moteur de recherche fondée sur Elasticsearch. Voilà. Et donc, ce qu'on a décidé de créer, c'est cet outil catalogue Neoneuf qui fait le meilleur des deux mondes. Le gros avantage pour nos clients, c'est que, du coup, dès que les offres sont modifiées ou qu'un produit est modifié dans la partie PIM, on va dire, son exposition, la mise à jour dans la partie exposée est instantanée. Et donc, c'est un gros gain en termes d'agilité pour la gestion d'un catalogue. Et donc, juste comme ça, le catalogue, c'est une solution en Node.js qui utilise Elasticsearch pour la partie exposition et une partie et MongoDB pour toute la partie PIM donnée, on va dire, pour la partie administration des données avant la partie exposée. Et donc, c'est au sein de cet outil catalogue qu'on a nos besoins de classification. On a deux cas d'usage. Je vais démarrer par le premier. Notre catalogue embarque un moteur de classification des produits. Pourquoi ? Puisque quand nos clients administrent leurs produits, ils administrent leurs produits en tant que tels. Donc, par exemple, ils vont créer un smartphone, il est dans une famille de smartphones, il a des attributs autres, mais cette famille smartphone, c'est pas forcément la catégorie selon laquelle on veut exposer le produit.
Donc, il y a des catégories, ce qu'est le produit en soi, la partie ontologique, on va dire, et puis la partie marketing, comment je veux exposer mon produit, est-ce que je veux faire un univers spécial ou qui va contenir tous les produits qui sont en rapport avec Harry Potter, si je veux faire une page de solde ou autre. Et donc, on a besoin de pouvoir faire passer de façon performante nos produits de ces familles, de ce qu'ils sont, sur la façon dont on veut les vendre. Et donc, on a besoin d'un moteur de règles pour faire ça. Et donc, les règles, tout simplement, c'est des conditions, et je vais vous donner quelques exemples de conditions qu'on peut avoir. Premier exemple, hein, bon, tout ça c'est un peu simplifié, mais je vais vouloir dire que je veux récupérer tous les produits qui sont de la famille smartphone et qui ont un modèle qui vaut S22 ou S22+, parce que j'ai prévu de faire une catégorie dans mon menu de navigation de mise en avant du dernier modèle de Samsung. Ou bien, je veux créer une espèce de boutique Harry Potter qui contiendrait les livres, les films, les goodies, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc dans ce cas, okay, on va dire, je veux tous les produits de l'univers culturel, et là je vais faire une recherche sur le libellé avec, ok, il faut que ça contienne Harry Potter. Autre exemple, celui à Ketara biscotté, hein, c'est plus pour la présentation, il n'existe pas en vrai, mais je veux tous les produits de la famille textile qui ont une variante rouge. Et là, on arrive sur les problématiques du e-commerce à l'heure actuelle, c'est que voilà, un produit peut avoir plusieurs variantes, chacune de ces variantes peut potentiellement avoir plusieurs offres quand on est dans un cas de marketplace. Et donc, du coup, pareil, on peut vouloir créer une catégorie solde qui contient toutes nos offres qui ont un flag qui préciserait qu'ils sont en solde. Voilà. Donc ça, c'est notre cas d'usage pour le moteur de règles. Pendant un an et demi à peu près, l'approche initiale qu'on avait, c'est simple, on le faisait faire par Mongo sur la partie MongoDB. Tout simplement parce que nos produits, nos variantes sont déjà dans MongoDB. Donc on avait une agrégation qui représentait nos produits avec leurs variantes. On prenait chacune des règles que je vous ai exposées. On en faisait une requête MongoDB, on la joue, et puis tout simplement, tous les produits qui sortent, on les catégorise. Donc ça, les avantages, c'est que c'est très simple, je mets 10 secondes à vous expliquer le principe, et c'est relativement efficace pour des jeux de données de taille moyenne. Le problème qu'on a, c'est que avec cette approche, il y a un plafond de performance qu'on s'est mis à heurter petit à petit, et on est très limité sur la partie recherche full texte. En particulier, l'exemple que je vous ai donné sur les produits qui contiennent Harry Potter, c'est bien, mais il faut gérer les histoires de majuscules ou autres, et MongoDB n'est pas le bon outil pour faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les distinctions des index search ou des nouvelles features de search qui sont sorties pour ceux qui connaissent MongoDB. Globalement, ça ne matche pas pour ce cas d'usage. Préciser un petit peu ce que j'appelle le plafond de performance, parce qu'en fait, vous allez voir, pour ceux qui connaissent Elastic, que du coup, ça nous drive vers l'utilisation d'Elasticsearch. Je ne fais pas de spoil, tout le monde s'y attend. Tout simplement parce que, donc pourquoi le plafond de performance? Parce que sur une base de données type MongoDB, on a besoin d'indexer nos données pour que ce soit efficace. Et par exemple, MongoDB nous limite en termes de nombre d'index. Donc le problème, c'est que plus un catalogue augmente, plus on va avoir de règles de navigation, plus on va faire des règles sur des attributs différents, par exemple, Mongo nous limite, il ne veut pas créer plus de 64 index. Donc au bout d'un moment, on se retrouve avec des requêtes sur des attributs qui ne sont pas indexés, et là, Mongo est obligé de parser toute la collection de plusieurs millions de produits pour trouver les produits qui matchent. Il n'y a pas de capacité de recherche full text, donc du coup, quand on veut rechercher Harry Potter, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis désolé, mais c'était ce qu'on avait, c'est en fait des grosses requêtes d'expression régulière. Donc ça, c'est une catastrophe en termes de performance, comme vous pouvez l'imaginer. Et le sharding avec MongoDB, c'est quand même assez compliqué, assez contraignant. Voilà. Donc tout ça fait qu'au bout d'un moment, ce moteur atteint ses limites. Et c'est là qu'est arrivé l'idée d'utiliser la percolation avec Elastic. Alors, la percolation, très rapidement, des fois que des gens seraient venus par hasard et ne connaissent pas la percolation dans Elasticsearch, c'est un mode de fonctionnement inverse de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une collection de documents et j'exécute une requête pour savoir quels sont les documents qui matchent ma requête, là j'indexe mes requêtes, et après quand j'ai un produit qui arrive, je voudrais potentiellement savoir s'il match ta requête, et ben, je fais une query de type percolate, et Elasticsearch va me répondre si ce document match telle query préenregistrée en fait. Donc vous en faites pas si un peu flou, on va faire un exemple avec Kibana dans quelques instants.
L'approche avec la percolation, si on reprend notre cas d'usage, bah du coup, se transforme au lieu d'indexer nos produits. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes nos requêtes, on les indexe dans Elasticsearch, et ensuite, on va chercher les produits dans Mongo, et on fait des requêtes Elastic avec la percolation. Les gros avantages qu'on a avec cette approche, c'est que d'un coup, on se retrouve avec une panoplie d'outils pour la recherche full text qui nous faisait baver d'envie auparavant, que le sharding, enfin le scaling, est d'une facilité, enfin c'est très très simple, c'est-à-dire que si je veux utiliser plus de nœuds de mon cluster parce que j'ai beaucoup de travail à faire, bah c'est simple, j'augmente le nombre de réplicas, et si je veux utiliser plus de CPU sur chacun des nœuds, bah je peux même augmenter le nombre de sharding, enfin voilà, on peut jouer sur toutes ces choses-là. Et ensuite, gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'indexer nos produits. Nos produits, ils avaient déjà dans Mongo, on a juste à indexer les règles, et quand bien même on a des milliers de règles, ça fait une empreinte ultra limitée sur le cluster Elasticsearch. Et donc, je vous propose une petite session de live coding. Alors, j'ai déjà tout préparé, donc logiquement, il n'y aura pas les moments bizarres avec les malaises quand on n'arrive pas à taper correctement les requêtes, j'espère. Donc, comment ça fonctionne la percolation? Là, je vais créer donc un nouvel index. Vous voyez qu'il y a une property de type percolator. Tout simplement ça, c'est le placeholder, ça va dire à Elasticsearch que là-dedans, il va indexer des requêtes Elasticsearch. Donc ce sera à nous de lui passer des requêtes qui ont du sens. Quand on va essayer d'indexer nos requêtes dedans, Elasticsearch va vérifier qu'on n'a pas d'erreur de syntaxe ou autre, donc voilà, on sait qu'on a nos requêtes. Et ensuite, on a une autre partie du mapping qui correspond tout simplement au produit qu'on veut percoler. Alors, désolé pour le mot percoler, je ne sais pas trop comment le faire, donc pardonnez-moi si c'est pas que... Ouais, j'ai pas d'idée non plus comment on dit. Moi aussi, je dis voilà. Pas, mais je sais pas comment on dit, franchement. Voilà, ouais. Donc je percole des produits régulièrement, voilà, et ça ressemble à ça. Donc tout simplement, créons cet index. Donc les produits, là, pour l'objet de la démo, vous voyez qu'ils ont une famille, donc ça représente les exemples, ce que je vous ai dit. Donc ce que sont les produits, ils ont potentiellement un libellé, un modèle, et ils ont des variantes. Et donc comme je vous expliquais, un produit peut avoir des variantes qui ont des offres, et du coup on a là on utilise le type nested dans ce cas-là, ce qui va nous permettre effectivement, si on a plusieurs conditions sur les offres, de s'assurer qu'on a au moins une offre qui matche toutes nos conditions. Ça c'est aussi un des gros avantages d'Elasticsearch, de pouvoir avoir un niveau d'imbrication quasi illimité en fait, bon, même si on se limite à deux. Donc si on reprend nos exemples de règles, notre règle pour les S22, les Samsung S22, bah, elle est très très simple, c'est une requête où je demande que le modèle du produit soit S22, S22+, donc ça c'est une requête de type terms. Pour les variantes, c'est une requête de type nested, et où je demande que l'attribut color de mes variantes valent rouge. Enfin, ouais. Pour la partie Harry Potter, je précise donc que je veux que ce soit dans l'univers culturel, et que le label de mon produit match Harry Potter. Et pour la partie solde, je demande que les offres de mes variantes portent potentiellement le flag solde. Voilà. Donc ça correspond aux quatre exemples qu'on a brossés tout à l'heure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc tout simplement, après, je réappelle notre index de percolation, je fais une recherche, je précise que je fais une query de type percolate, je précise le field précédemment, donc ça c'est carrément que du paramétrage, et je lui donne mon document. Et donc là, par exemple, je lui envoie un document dont le label vaut Harry Potter et dans la famille vaut culturel. Et là, dans la réponse, vous voyez que le percolateur me répond tout simplement qu'il a trouvé un match, et le match, c'est quoi? C'est la règle que j'avais préenregistrée. Et donc ici, on voit que on a son ID, et puis potentiellement ce qu'on a émis, le code de la règle. Et ben, nous, à partir de ça, c'est très simple de catégoriser le produit, il ne reste plus qu'à enregistrer le lien. Juste très rapidement, un des exemples de l'avantage de la percolation, c'est que imaginons que quelqu'un a fait une faute d'orthographe sur le Harry Potter, eh bien ça continue de matcher. Pourquoi? Parce que l'analyzer par défaut que j'ai mis, il y a du stemming. Donc, du coup, ça fonctionne. Et par contre, si j'enlève l'univers culturel, eh bien ça ne matche plus puisque c'était une des conditions de mon produit, de mon matching. Et donc après, on a la possibilité d'avoir un produit qui match plusieurs règles. Donc là, vous voyez que c'est toujours un produit Harry Potter, mais en plus, il a une variante qui a une offre, qui a des soldes. Et là, vous allez voir que le percolateur, du coup, alors j'ai désactivé la source, hein, c'est pour ça que la réponse est plus faible, mais vous voyez que Elasticsearch me répond que ça match ma règle Harry Potter, et que ça match, enfin j'ai utilisé l'ID du document, et l'ID solde. Et on a aussi la possibilité, si on devait faire un par un, ce serait quand même vraiment fastidieux, mais on a aussi la possibilité de demander à percoler plusieurs produits en même temps,
Donc là, j'ai un iPhone qui est en solde et j'ai un produit toujours Harry Potter et en solde. Ah oui, puis mon iPhone est rouge. Et donc là, du coup, on voit par exemple que le produit numéro 1, le document numéro 1, donc c'est le deuxième puisque c'est l'index numéro 1, match la règle Harry Potter, que la règle Red Variant match le produit d'index 0 et que tous les deux sont en solde. Voilà. Et donc, avec ça, ça nous permet de refaire exactement ce qu'on faisait en Mongo, sauf que ça fonctionne bien mieux. Alors, je reviens. Donc, sans plus attendre, voici un petit graphe, hein, tout en haut, ce qu'on avait en termes de temps de données sur l'utilisation de MongoDB, pour un jeu de données particulier hein, qu'on faisait pour nos POC, donc c'était, de mémoire, c'était 3 millions de produits, 4000 règles, et 7 600 000 matchs à effectuer, en fait. Donc, on était sur environ sur 2 heures de temps de matching. Avec la solution élastique, avec la percolation, on est passé à 20 minutes de temps de matching, donc une division par 6. Ce qui est forcément un énorme gain pour nos clients. Juste pour information, on a la partie, la troisième ligne, c'est la partie MongoDB, où on aurait optimisé les index de façon automatique. Donc on voit que dans notre cas, ça fonctionnait mieux, mais en fait, c'est pas vrai, parce que le temps de créer les index, c'était très long. Donc en fait, si on rajoute le temps de créer les index dans Mongo, on s'y retrouvait pas. Et voilà. Et donc, cette magnifique solution de percolation avec Elasticsearch n'a pas été conservée dans notre cas. Tout simplement pourquoi ? Parce que fonctionnellement, nous, nos clients ont besoin d'avoir une preview de leurs règles et régulièrement, ils peuvent changer leurs règles. Et le problème, c'est que là, si un client modifie une règle, on est obligé de rejeter nos 3 millions de produits pour voir les effets. Et en plus, on n'a plus la possibilité de preview. Donc, d'un point de vue fonctionnel, ça faisait quand même une petite régression. Donc ça, c'était un des problèmes. Et surtout, la bonne nouvelle, et pourquoi on n'a pas choisi, c'est qu'en fait, la quatrième ligne là, que voulait l'approche Elasticsearch classique, c'est pas une erreur sur mon graphe, en fait, c'est que ce qu'on faisait en 2 heures avec Mongo, on le faisait en 1 minute 20 avec une approche classique d'Elasticsearch, c'est-à-dire on indexe nos produits, on transforme nos règles sous forme de requête Elasticsearch, et après on fait du scroll dessus. Voilà. Donc on perdait rien en termes de fonctionnalité, et en plus, en termes de... performance a éclaté tout, donc on n'a pas conservé la percolation, ce qui est normal. Voilà. Donc comme quoi, la percolation n'est pas forcément la panacée et c'est pas forcément la bonne réponse pour tout ce qui, pour tous nos problèmes de classification. Ensuite, deuxième cas d'usage, donc comme je vous présentais, le catalogue, c'est une partie PIM, une partie moteur de recherche. On s'est dit, ok, comment on peut rajouter un petit peu d'intelligence sur notre moteur de recherche, comment on peut essayer de contextualiser les requêtes de nos utilisateurs. Et donc, par exemple, quels seraient les cas d'usage de ça? Ok, on approche de la Saint-Valentin, eh bien on a envie de booster les fraises et le champagne. On veut les mettre en avant, on sait qu'on va beaucoup les vendre. Bon, ben voilà, ça c'est une petite couche d'intelligence qu'on aimerait donner à notre moteur, où on veut, par exemple, comprendre un peu mieux la requête d'un utilisateur qui, d'après, donne-moi un smartphone pas cher. Si l'utilisateur fait ça par défaut, eh ben on va rien lui retourner parce qu'il n'y a aucun de nos téléphones qui s'appelle smartphone pas cher. Mais par contre, le pas cher, c'est un signal de pertinence. Donc il faut qu'on comprenne qu'on doit mettre en avant les produits qui sont pas chers, potentiellement giclés, tous ceux qui sont un peu trop haut de gamme. Et aussi, on veut pouvoir, en fonction des univers, comme on a beaucoup de clients qui ont des marketplaces très génériques, ils ont une partie mode, ils ont une partie high-tech, et ben en fait, on met pas la ranking feature utilisée, c'est pas forcément la même. Dans la partie mode, surtout mode féminine, donc c'est pas du sexisme, mais on va avoir une tendance à booster les produits qui potentiellement sont pas trop chers. Sur une partie high-tech, ou surtout sur une partie smartphone, on va avoir tendance à pousser des produits qui ont une grande popularité. Bon, et puis il faut pas le dire, on booste toujours les produits où les clients font les meilleures marges. Mais ça, c'est le secret, faut pas en parler. Et là, pourquoi le percolateur? Pourquoi ça nous aide? Parce que d'une, c'est performant escalable. C'est-à-dire que même si notre moteur, si le trafic augmente, on a juste à augmenter, encore une fois, le nombre de réplicas, le nombre de shards pour pouvoir assurer la charge. On a des outils d'analyse textuelle qui vont nous permettre de comprendre ce que l'utilisateur demande. Et alors, je ne parle même pas de ce qui va arriver avec la V8 et le NLP, puisqu'on n'y est pas encore. Et comment on utilise le percolateur? Eh bien, c'est très très simple. On prend la requête de l'utilisateur, on va stocker tous nos contextes, tous les contextes qui nous intéressent, vous allez voir comment, et on compare la requête de l'utilisateur avec les conditions des contextes, et si le contexte match, eh ben, on a rajouté des métadonnées qui vont nous permettre
d'enrichir la requête de notre utilisateur. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sans le percolateur pour cet aspect-là. Par exemple, pour booster à l'approche du 14 février, c'est pas très compliqué de faire des comparaisons de dates potentiellement. Par contre, ce que va nous permettre Elasticsearch sur cet aspect-là, c'est qu'on va pouvoir créer nos analyzers custom et mettre des conditions vraiment précises sur nos contextes. Par exemple, on va pouvoir créer des analyzers, vous allez voir, qui vont matcher que si la requête utilisateur commence par tel mot, ou qu'elle se termine par tel groupe de mots, ou si la requête utilisateur contient tel terme, mais sous forme de phrase, donc en préservant l'ordre. Ça va pouvoir permettre de gérer la faute tolérance et gérer du synonyme, tout ça. Voilà, toute chose qui, en dehors d'une suite qui a de vraies capacités full text, serait quasi impossible. Et feature, à mon avis, assez peu connu, assez peu utilisé sur la partie percolation. Percolation, vous allez voir, permet aussi de gérer du highlighting, et nous, c'est très important parce que ça va nous permettre de consommer certaines parties de la requête de l'utilisateur. Donc là, si je prends l'exemple d'un utilisateur qui tape smartphone pas cher, on va pouvoir dire que pas cher match avec un de nos contextes, donc potentiellement on va rajouter des filtres sur les prix, et par contre on va consommer cette partie-là pour que la requête finale, ce soit juste smartphone. Donc on va envoyer tous les smartphones, mais en mettant l'accent sur ceux qui sont pas chers. Et les contextes de recherche, et aussi, quand on fait de la percolation, ça nous remonte un score, on a la possibilité de l'étrier directement, et donc potentiellement, on peut l'étrier par priorité, par pertinence, et permettre du coup de résoudre des conflits. Si jamais on a deux enrichissements qui sont pas compatibles, bah, on prend le premier qui arrive, et du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de cohérent. Du coup, je vous repropose vous n'avez pas trop le choix, désolé, de me suivre dans une nouvelle session sur Kibana. Et cette fois, sur un autre index qui est légèrement plus compliqué, mais vous n'en faites pas, il n'y a pas besoin de tout lire dans les détails. Donc un nouvel index, toujours avec de la percolation. Donc vous voyez, j'ai toujours ma property de type percolateur, cette fois il s'appelle ContextQuery. Et donc cette fois j'ai de quoi recevoir les requêtes de mes utilisateurs, donc dans l'objet UserRequest. Donc cet objet UserRequest, il va avoir une date, donc ça c'est pour le cas d'usage Saint-Valentin, des catégories, si jamais je veux, je crois que j'ai oublié de faire un exemple sur les catégories, mais donc pour la question de si on est dans de la mode, si on est dans du high-tech, et surtout, il a un champ texte qui correspond à la requête textuelle de notre utilisateur. Ici, du coup, chose importante, vous voyez que notre champ texte, il est mappé avec différents fields, qui vont nous permettre d'utiliser des analyseurs différents pour le cas où notre contexte match sur le début de la requête d'utilisateur, sur la fin, ou si c'est quelque chose de plus générique. Je passe la partie settings, filter et compagnie, parce que c'est rarement intéressant. Voilà, bon, ça demande un petit peu plus de configuration. Si vous avez des questions, on pourra y revenir dessus. Et donc maintenant, on va créer nos règles de contextualisation et on va les pousser dans notre percolateur. Donc là, par exemple, c'est notre requête Saint-Valentin, tout simplement. On va considérer que ça se déclenche, que ça match, quand la date de la requête de l'utilisateur est entre le 31 janvier et le 14 février de cette année. C'est notre première règle Saint-Valentin. Ensuite, on va créer une requête de type finie par pas cher. Donc vous voyez que là, je fais pointer que ma requête en fait porte sur le field tail de ma property texte de ma requête. Et donc du coup, on va préciser qu'il faut que la fin de la requête contienne pas cher avec l'opérateur end, tout simplement parce que ça va permettre de faire distinction entre pas cher et cher. Là, j'en crée une autre qui s'appelle bouteille pas chère, cette fois avec un match phrase. Donc, du coup, ça ne va pas se déclencher sur bouteille chère. Pas chère bouteille, pardon, parce que vu que j'ai mis un slope à 1. Un autre qui va permettre de démarrer quand ça démarre par iPhone. Et voilà. Donc, ça sont mes différentes règles. Et maintenant, à utiliser, c'est très très simple, puisque dès qu'un utilisateur interroge notre moteur de recherche, on convertit sa quête sous forme d'une requête Elasticsearch à notre index de percolation, et on voit bien ce qui sort en termes de contexte. Et donc, par exemple, s'il nous appelle le 2 avril, oui, c'est ça,
le 4 février, on voit bien qu'on a notre quête Saint-Valentin qui fonctionne. Effectivement, par contre, s'il nous appelle en mars, hop, ça ne remonte plus. Un autre exemple avec notre contexte qui finit par, donc du coup, le smartphone pas cher, effectivement, ça nous match la requête pas cher. Preuve que c'est pas si mal, c'est que si la personne demande un smartphone cher, cette fois, ça ne remonte pas. Avec ces histoires de stemming, on va pouvoir continuer d'avoir les gestions dans les limites du stemming tel qu'il est mis en place, avec la question de share féminin, enfin souvent la question du féminin, du pluriel va pouvoir être gérée de cette façon-là. Donc le smartphone share, on l'a déjà fait pour montrer que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne avec donc une tablette pas chère, avec des histoires d'accent ou autre. Ça, c'est pas une limite du coup au système, ce qui serait très compliqué sans le support d'Elasticsearch. On a possibilité d'avoir, comme vous l'aviez vu, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs requêtes qui remontent. Là, en particulier, celle sur la bouteille pas chère, on a la pas chère, la Saint-Valentin. Bon, après, on a la possibilité de faire démarrer, mais je pense que tout ça, vous me croyez. On a même la possibilité d'intégrer de la fusiness. La requête tout à l'heure que j'ai créée sur le démarre par iPhone, je l'avais configurée pour appliquer une fusiness. Et donc, du coup, on a bien, dans le cas de iPhone, là, vous voyez, on a une typo. Ce n'est pas un problème. iPhone remonte quand même. Donc, on a toute la flexibilité que nous donne Elasticsearch qu'on peut intégrer dans notre gestion de contextualisation. Deuxième feature importante qui nous aide beaucoup, c'est la partie de highlighting. Donc l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir consommer des parties, savoir quelle est la partie de la requête de l'utilisateur qui a matché tel contexte. Dans le cas d'une bouteille pas chère, vous allez voir que du coup, avec le fait qu'on ait demandé de highlighting, dans la réponse, on va avoir tout simplement la partie qui match, qui va nous être remonté. Et du coup, qu'il y ait une typo ou pas. C'est-à-dire que potentiellement, si on avait de la fusiness avec le stemming ou autre, on sait toujours quelle partie on doit consommer. S'il y avait des synonymes, on arriverait à consommer la bonne partie. Donc voilà, donc là c'était un exemple aussi iPhone Rose. Vous voyez, il manque. De toute façon, c'est du highlighting Elasticsearch, vous connaissez pas. Donc même si la partie, il y a une faute de frappe, ça a été matché, on sait potentiellement que si on veut consommer la partie, on consomme toute cette partie de la requête de l'utilisateur. Et du coup, alors je vais juste. Oui. Bon, ça c'est plus pour la blague, désolé, j'espère que tu me pardonneras, David. Il y a juste, si jamais vous utilisez ça et que vous voulez faire des systèmes de reverse ou compagnie pour matcher à la fin, il faut juste savoir qu'il y a un petit bug actuellement dans Elasticsearch. Donc du coup, vous allez voir que, en fait, c'est pas cher qui a matché. Et en fait, comme c'est inversé, c'est considéré que ça nous répond que c'est le début de la requête qui marche. Donc du coup, il faut tout inverser pour réussir à retrouver ce qui doit être consommé. Mais on s'en sort bien. Et si vous voulez faire la chose, je pourrais vous montrer comment le faire, c'est pas très compliqué. Et ensuite, du coup, la gestion des priorités, tout simplement, on peut décider combien on veut avoir de contextes qui remontent. Si on dit qu'on veut que les deux meilleurs contextes, parce que ça sert à rien d'additionner trop de features, après on ne sait plus maîtriser la pertinence de notre moteur. Donc on peut potentiellement les trier par score, on peut décider de rajouter un attribut priorité, qui va être quelque chose défini par le métier, qui va dire « Ok, ça écrase tout ». Voilà. Tout ça, le percolateur nous permet de le faire. Fin de cette démo. Et suite de la présentation, un petit instant. Et ben voilà, en fait, on arrive tout simplement à la fin. Donc là, vous avez vu nos deux cas d'usage. Un cas d'usage moteur de classification, donc, pour rappel, on ne l'a pas utilisé parce qu'il y avait mieux, en fait, Elastic nous proposait mieux. Et la partie moteur de recherche, par contre, c'est ce qui alimente en partie la pertinence de notre moteur de recherche, de notre outil catalogue. Donc, pour en conclusion, on va dire, quel a été le gain pour Neo9 sur qu'est-ce que la percolation apporte? Voilà, cette capacité d'utiliser à la volée tout cet outillage full text qui nous donne une flexibilité inatteignable par rapport aux autres outils qu'on avait à notre disposition.
En plus, avec des ouvertures sur le NLP, avec la version 8, bon, ça, j'ai pas encore fouillé pour voir comment on allait l'utiliser, mais je sens que ça va bien s'amuser. Une simplicité de mise en œuvre. Nous, on a toujours quasiment des clusters Elasticsearch sur nos projets parce qu'on a toujours des besoins d'indexation. À partir du moment où vous avez votre cluster utilisé à percolation, c'est un jeu d'enfant. Ça se fait de façon très rapide. Et la scalabilité, mais bon, ça, c'est un petit peu le cœur d'Elastic et ça se retrouve aussi dans la percolation. Et si vous réfléchissez à savoir est-ce que le percolateur va répondre à vos besoins de classification, juste le conseil que je vous donne, c'est de bien réfléchir en amont sur ce qui doit être persistant. On a vu que dans le cas d'usage du moteur de classification, nos produits devaient être persistants, donc de toute façon, ça n'avait plus de sens d'utiliser le percolateur dans ce cas-là. Par contre, dans le cas de nos requêtes au moteur de recherche, les requêtes, elles sont volatiles. Une fois qu'on les a traitées, on les oublie, enfin elles partent dans un outil dans des analytics ailleurs, mais la requête en tant que telle, on n'a pas à la maintenir. Du coup, le percolateur tout de suite prend de la valeur, puisqu'on indexe qu'une toute petite donnée sur le cluster Elasticsearch. Et puis bien entendu, savoir si vous avez des vrais besoins d'analyse sexuelle, puisque si c'est uniquement pour faire des dates ou des comparaisons strictes, on peut le faire dans n'importe quel langage, ça marchera, j'imagine, à peu près aussi bien. Et puis ensuite, il y a la partie bon, montée en charge. Et voilà, c'est fini. Et du coup, est-ce que vous avez des questions ? Merci Pierre, c'était excellent. Je suis ravi de voir tout ça. Alors, vous pouvez vous poser vos questions sur le chat YouTube. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais voilà, je l'ai dit par chat. Mais si vous ne voyez pas le chat, du coup, vous ne le savez peut-être pas. Donc, il y a un espace chat dans YouTube. Je me posais la question sur le dernier cas d'usage que tu as montré. Combien de temps ça mettait du coup pour exécuter en prod lorsqu'un utilisateur fait une recherche ? Ce que j'ai compris, c'est que du coup, tu vas enrichir cette recherche pour apporter plus de contexte. Mais il ne faut pas que ce soit trop long pour que... Non, ça rajoute une surcouche de... On est sur 4-5 millisecondes. Ah oui, ok, c'est hyper rapide. Donc, il y a quand même assez peu de requêtes qui sont pré-enregistrées dans les index. Finalement, ce n'est pas un gros volume de requêtes à parfait. C'est pas un... Non, pour l'instant, on n'en a pas énormément. Là, j'ai pas de chiffres à vous donner sur des cas où on aurait des centaines, effectivement, de règles de contextualisation. Ensuite, de toute façon, ça va pas dépasser l'ordre de. Je vois difficilement que ça dépasse l'ordre de peut-être de 20 millisecondes ou ce genre de choses. Et le gain en termes de pertinence, en fait, les vaut. Oui, complètement. Alors moi, ça me rappelle quand je parlais de la percolation il y a longtemps. Parce qu'effectivement, j'en parle plus. C'est tellement un cas extrême que du coup j'en fais moins la promotion, peut-être à tort, mais bon. Donc il y avait un cas, c'était la classification des news télé, c'était par France Télévisions à l'époque, pour classer les news de l'AFP qui arrivaient. Ils passaient ça dans la percolation et ça donnait des tags finalement en disant ah, ça c'est de la politique, ça c'est du sport, ça c'est du machin. Et du coup, en fonction de ça, bah, ils mettaient ensuite la news dans le bon index finalement, dans l'index sport, dans l'index politique, dans l'index France, etc. Ça, c'était un premier cas d'usage. Et il y a un autre cas d'usage que j'ai adoré, où c'était un site marchand qui récupérait toutes les requêtes faites par les utilisateurs sur le site marchand et les mettait dans l'index de percolation d'Elasticsearch. Donc, ils mettaient en tant que percolation. Et ensuite, quand le marketing ou les commerciaux voulaient modifier leur offre, en fait, ils exécutaient la percolation avant et la percolation après pour voir quel était l'impact de leur modification. Donc, je change la façon dont j'écris mon catalogue. Est-ce que je vais être vu plus parce que j'ai mieux mis en avant mon produit avec les descriptions, etc. Ou au contraire, je vais avoir un effet négatif, je vais être beaucoup moins exposé, etc. Et pareil pour les prix. Je fais une promotion de 20%, de 20 euros par exemple, ou de 20 euros. Je me rends compte que je gagne, 10 utilisateurs. Je fais une promotion de 25 euros et j'en gagne 2000. Ah ok, je sais que je vais faire une promotion de 25 euros du coup, parce que là, ça vaut le coup de le faire sur mon produit. Donc à l'avance, avec ça, ils arrivaient à prévoir quels allaient être le succès de leurs modifications sur leur futur vente. Donc, je trouvais ce cas d'utilisation super intéressant. Évidemment, tu t'en es rendu compte, je pense, la percolation, ça bouffe quand même des ressources. On le dit toujours chez Elastic, ne mettez jamais vos index de percolation avec les données sur lesquelles vous faites des recherches live, ne mettez pas ça dans les mêmes clusters, mettez ça indépendamment, je ne sais pas si vous faites ça, j'espère que vous le faites. Non, vous ne faites pas, il faut faire ça, parce que ça bouffe quand même de la ressource, l'exécution de la percolation. Après, il faut voir le volume qui tourne. Si ça passe, tant mieux. Mais nous, on dit vraiment, voilà, essayez de séparer
le problème, parce que c'est un autre cas d'utilisation, c'est une recherche inversée de toute façon, donc c'est très, très différent. Et oui, et donc à cette époque-là, on n'avait pas ces optimisations, tu as pu bénéficier notamment du sharding, le fait que les index de percolation eux-mêmes sont shardés. Avant, non, il n'y avait qu'un seul index, un seul shard, et ça tournait que sur un seul nœud, donc c'était catastrophique en plus. Mais ils arrivaient à le faire grâce à la percolation de l'époque, ils arrivaient déjà à le faire. Voilà, une cas d'utilisation sympa. Alors, je ne vois pas de questions. Je pense que ça a été très clair, du coup. Du coup, j'imagine. En tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez contacter Pierre par la suite sur le site de Néo 9. Ou... Tu veux que je te repartage? Oui, il faudrait passer par le contact. J'ai pas de compte Twitter. Donc, t'as un slide. Non, si vous voulez, je peux vous mettre mon adresse. Ouais, sinon, tu me la donnes. Alors, il y a 25 plus de monde. Est-ce que tu l'utilises dans l'autocomplétion? Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de... C'est pas branché. Okay. J'ai pas réfléchi à l'approche au gain. Donc, pour l'instant, non. Ok. Désolé, j'aurais bien aimé réussir à embrayer un peu, mais non. Tiens, j'avais oublié d'afficher la question de Vincent. Est-ce que vous l'utilisez dans l'autocomplétion? Alors je sais qu'il y a une petite latence entre le moment où on reçoit la question et le moment où on répond, puisque c'est streamé sur YouTube, donc il y a une petite latence pour nous. Donc, je vais laisser encore un petit peu de temps pour voir s'il y a encore une autre question. Et puis sinon, je vais pouvoir te remercier de ton investissement pour cette préparation, c'est super. Voilà. Benjamin, Daniel. Daniel, Benjamin, je ne sais pas dans quel ordre, on dit très clair. Benjamin, hein. Daniel, c'est un collègue. Et ah, on soutient, yes, c'est ça. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Pierre encore une fois. Merci à Néo9 d'avoir proposé ce sujet par ton intermédiaire. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement, le 31 mars, avec un sujet par mon collègue, donc Michael Morello, qui travaille sur la partie Kubernetes et qui nous fera son sujet. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.